السلام عليكم. يوم جديد، درس جديد، درس 28. Voilà, c'est la leçon numéro 28, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va voir comme d'habitude trois choses, mais il y aura la révision. Bon, la révision, juste je vous montre la page. Donc voilà, donc c'est parti. La lettre qu'on va voir aujourd'hui, c'est Harfou Al-Ghain. Ça s'écrit Ra. Et c'est vrai que c'est une lettre qu'il faut un petit peu pratiquer, on va dire, ou prononcer. Et comme je dis toujours, quand on veut, on peut. Très bien. Et l'autre, c'est Al-Hamza. Et c'est vrai que Alif ou Al-Hamza, c'est, on va dire, c'est la première lettre de l'alphabet arabe. Mais on ne l'a pas fait au début parce qu'on n'a pas un mot où il n'y a que Al-Hamza. Et Al-Hamza, c'est ça. Et s'appelle... Elle s'appelle exactement en arabe Hamzat al-Qata. Et c'est ça, Hamza. D'accord? Donc, Ra, Rin, ça s'écrit comme ça. Bon, il y a un petit peu de soleil, mais bon, j'ai fermé un peu. Mais très bien. Donc, où on va écrire ici, on voit bien, très bien. Rin, on écrit comme ça. Ra. Au début et au milieu, non, au milieu du mot, on l'écrit autrement. Au début, on l'écrit comme ça. Au milieu du mot, on l'écrit comme ça. Et à la fin, on l'écrit comme ça, comme un 3 à l'envers avec un point. Voilà. Très bien. Donc, j'avance un petit peu pour qu'on voit un petit peu mieux. Voilà. Voilà, j'espère que c'est clair. Très bien. Et c'est parti avec Harfou Al-Ghain. Donc, Harfou Al-Ghain, on commence comme d'habitude, rien ne change. Donc, Ra, Ro, Ri, Re, Run. Ra, Ro, Ri, Rin, Ren. Donc, voilà. Pour les lettres, là, on va passer au mot. La première photo, c'est une gazelle. Et en arabe, c'est Ghazalun. Deuxième photo, c'est un corbeau. En arabe, c'est Rorabun. Ici, c'est une louche. Et en arabe, c'est Mirarafetun. OK, là, on va passer aux phrases. La première phrase, c'est Zainabu Jalisatun. Donc, Zainabo, c'est la fille. Jalisatun, elle est assise. Ala, c'est sur. Kursiyin, une chaise. Deuxième phrase. Zainabo, tumsiko, mirzalaini, sarireini. Donc, Zainabo, tumsiko, elle a dans la main. Mirzalaini, des aiguilles à tricot. Sarireini, toute petite, donc elle a des aiguilles pour faire, elle est en train de tricoter. Voilà. Dernière phrase. Zainabu tarzilu li akhiha sidaran min soufin na'imin kal hariri. Donc j'ai lu toute la phrase et là je vais traduire mot à mot. Donc Zainabu, c'est la fille. Tarzilo, elle tricote, li achiha à son frère, sidaran, un gilet, min soufin, en laine, na'imin, doux, la laine douce, mais sauf s'il est masculin, na'imin, douce, donc de la soie douce, quel harir, de la soie, donc de la laine douce comme de la soie. Donc, voilà pour notre première lettre qui est Harfou Al-Ghain. Et là, il y a la révision. On la voit bien ici. Et là, on va passer à notre deuxième leçon qui est Hamzat al-Wasl. Non, pas Hamzat al-Wasl, Hamzat al-Qata. Et Hamzat al-Qata, elle s'écrit comme ça. Donc, c'est comme ça. Est-ce qu'on voit de ce côté ou en bas, c'est mieux? Non, ici, c'est mieux.
Donc c'est un trait avec up et ça c'est A. Bien sûr, après c'est O et ça, je pense que vous connaissez. Très bien. Donc c'est Hamzat Al-Qata. Et la première photo ici, c'est un lapin et en arabe c'est Arnabun. Et ici c'est Arnabun, c'est on va dire indéfini. Et si on veut le définir, on ajoute L et c'est Al-Arnabun, Al-Arnabo. Donc ici on a un rat, fa, non c'est plutôt une souris, fa-aratsun, et ici une souris, et ici c'est la souris, al-fa-aratso, ici c'est un perroquet, b-bara-un, et ici c'est le perroquet, al-b-bara-o. Ok, et là on va finir par les phrases. Hadiqatu al-hayawani makanun mahboubun. Donc, hadiqatu al-hayawan, c'est le zoo. Makanun, c'est un endroit mahboubun, aimé. Yadhabu ilayhi al-atfalu. Donc, yadhabu, ils partent. Qui c'est qui part au zoo? C'est Al-Atfal, c'est les enfants. Il y a aussi les grands. Moi aussi, j'aime bien les zoos. Alors, pourquoi ils partent? Liushehidu, pour voir. Al-Asada, donc Al-Asad, c'est le lion. Wal-Labu'ata, c'est la lionne. Wad-Di'ba, c'est le loup. Wasa'ira, et c'est le reste des autres voilà les autres animaux. C'est les autres animaux, c'est voilà. Donc on est arrivé à la fin de cette 20e, non 28e leçon. Voilà, je vous dis à la prochaine. Il nous reste juste combien? Il nous reste deux cours et c'est fini pour les lettres. Je suis très contente. Je ne sais pas pour vous, moi, je suis contente. Toujours avec amour. Et à la prochaine, Inch'Allah. Ma salama.